Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis François Germain Manuel. Je suis membre de la Voix du Cénacle. Je ne voudrais pas m'étendre, comme vous pouvez l'imaginer, sur la vie du professeur Gervais Mendozet, notre berger, car beaucoup a déjà été dit par d'autres. Et je pense qu'il faudrait beaucoup de mémoire, beaucoup d'années, beaucoup de travail pour espérer parler de l'homme dans sa plénitude. Mais s'il m'était néanmoins donné des résumés, l'homme d'exception qu'est le professeur Gervais Mendozet, je dirais simplement, le professeur Gervais Mendozet est un patrimoine national, c'est notre patrimoine et nous en sommes fiers. En m'adressant à toi, cher berger, cher père, nous, tes enfants, nous sommes si fiers de faire partie de cette grande famille que tu as fondée. Et dans ces moments difficiles, dans ces moments de maladie, ces moments de doute, nous voulons te rassurer, nous tes enfants, éparpillés à travers le monde, la diaspora, du Cameroun. Nous voulons te dire, cher berger, que nous pensons fortement à toi et nous prions tous les jours notre Seigneur Jésus qu'il te relève de ta maladie. Nous te remercions pour le Père que tu as toujours été pour nous. Et nous disons au Seigneur, Seigneur, accorde-lui de se relever de sa maladie. Et tous tes enfants, d'où qu'ils soient, car ils sont si nombreux, se sont réunis aujourd'hui pour te dire d'un seul cœur, d'une même voix, berger, comme l'aurait dit le psalmiste, lève-toi et marche. Et merci pour tout.